Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Astroneer, chers amis. Donc nous reprenons notre recherche toujours de composants et autres artefacts pour améliorer notre base, cette fois-ci une base organisée, enfin plus ou moins en tout cas en termes d'espace. Je compte bien faire une base qui sera complète avant de partir sur notre planète, chers amis. Ce qui voudra dire un maximum d'exploration, ce qui est quand même une des bases de ce jeu, hein. Je rappelle que c'est de la survie-exploration. Donc voilà, autant en profiter un maximum. Donc je repars dans l'autre direction, j'espère trouver rapidement tout ce qui est véhicule sans avoir à trop chercher, puisque vous voyez qu'on est déjà en train de partir très très loin, sans pour autant avoir tout ce qu'il faut pour ça. Ok. Alors nous avons quand même construit une réserve d'oxygène, chers amis, donc dans le présent épisode. Par conséquent, je me permets de quitter un petit peu, vous voyez, le tracé. Hop, et on n'a pas perdu énormément d'oxygène. Voilà. Donc. Nous avons notre balise ici qui est à mi-chemin, vous voyez. On voit apparaître la maison là-bas quand elle n'est pas sous les nuages. Donc bon, c'est une bonne chose. Et nous avions pu voir qu'il y avait un peu plus loin différentes formations humaines. Avec à gauche donc une espèce de grosse station et des débris un peu plus réduits de ce côté là-bas. Je sors cette chose là. Parfait. Il me reste de quoi faire des rallonges, parfait. On les fait et on part en exploration, chers amis. Nous avons du cuivre sur nous, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Pour l'instant, ça sert véritablement tout ce qui est artefact. Donc, c'est-à-dire les petites boules qu'on peut trouver là, enfin les petits objets à ouvrir en recherche que l'on peut trouver ici et là. On va partir par là. Ah bah dis donc. J'ai été mauvais en termes d'appréciation. Ok. Trop loin. Qu'est-ce que c'est? Un débris. Ok. Donc le plus souvent dans ces choses-là, en fait, il faut qu'on creuse. Pour réussir à re-rentrer dedans. D'abord, avant de faire ça, je vais... récupérer toute l'énergie ici. Ce qui va m'assurer d'en avoir suffisamment pour creuser ce truc là. Ok. Vu qu'il fait nuit, je n'en aurais pas eu via le solaire. Alors, maintenant, voilà le jackpot, nous avons du lithium, si je peux le prendre, s'il m'est autorisé de le prendre bien sûr. Apparemment maintenant oui, nous avons de l'aluminium, que je ne peux pas prendre pour le moment, pourquoi donc? Parce que je suis full de plein de choses. L'organique, je peux le virer. L'hydrazine, je peux le virer pour le moment. J'en ai pas véritablement besoin. Le cuivre, cependant, est un minerai assez rare. L'aluminium, j'en ai un peu partout chez moi. Je vais quand même le prendre. Ok. De mon point de vue, il serait intéressant de revenir. Alors, ne serait-ce que pour récupérer une place. Ok. On n'a pas vu... Ah, j'ai rien dit. Crac. Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le chemin retour, chers amis, avec les deux. On a un petit peu d'énergie dans le dos, ce qui nous permet d'en rajouter un petit peu si jamais on atterrit de nuit. Mais normalement, on ne devrait pas être trop mauvais. Donc bon. Profitons-en. J'ai peur cependant que ce truc-là, on trouve uniquement des compos. Parce que je crois qu'on a trouvé assez rapidement la dernière fois, donc du coup, ça m'inquiète. Donc on va aussi ramener le cube au passage. Le cube. Comme dirait Optimus Prime. Alors,
Donc. Ah, puis il y aura sans doute aussi un moment ou un autre de ne serait-ce que de la faune. Je ne sais pas, cela dit, je ne sais pas. Je sais pas du tout quelle optique les développeurs ont souhaité pour le jeu. Oh, que ça va être long. Hop. Non, t'arrêtes pas pour pointer du doigt, c'est mal. C'est mal poli de pointer du doigt. Ok. C'est le gameplay le plus intéressant du monde, chers amis. Donc j'espère que cette série vous plaît, en tout cas. Moi, elle m'éclate, franchement. Je trouve ça à la fois reposant et extrêmement, extrêmement intéressant. Extrêmement beau à regarder aussi. Donc bon. J'espère que ça vous plaît autant que moi. C'est surtout ça qui compte. Donc comme vous allez pouvoir le voir ou l'avez déjà vu, hein, je crois que vous l'aurez déjà vu à ce moment-là. J'ai modifié donc la temporalité de la chaîne, hein, c'est-à-dire quelles sont les sorties des vidéos pour remettre du Elite Dangerous, hein, le Elite Dangerous qui revient sur la chaîne. À la base, Astronir était là pour combler un petit manque de vidéos sur Elite Dangerous suite à un problème de jeu que j'ai eu moi-même. Donc du coup j'avais fait ces vidéos-là sur ce jeu, parce que voilà, je le trouvais mignon, et puis voilà. Et finalement, bah, compte tenu de son gameplay qui est assez particulier, son visuel qui l'est tout autant, bah, écoutez, j'ai du mal à avoir envie de le lâcher, hein, finalement. Et avec d'autres séries qui se sont terminées, bah écoutez, j'ai remplacé les vidéos et j'ai refait du tri. Du coup, voilà. Et par conséquent, j'en ai profité pour recommencer une aventure qui, elle, sera un peu plus optimisée, un petit peu moins... Bon, alors. Putain, le caillou de mec. Voilà. Je sais pas. Je vais tenter un truc. Je peux pas... Ah, j'aurais tellement kiffé. Genre, vous voyez, la brancher là, et puis avoir l'énergie en plus... de ce panneau solaire, mais non. Ça aurait été tellement pratique, cela dit. Enfin. Bah alors, tu le prends? Voilà. Crac. En tout cas, moi, je trouve ce jeu véritablement superbe. C'est pour moi une super découverte. Ok. On devrait être bon. Je prends celui-là. Je pose. Rechercher. Ok. Pitié, me donne pas du charbon. De l'hydrazine. Génial. Donc je pense que je les ai tous faits. Les trucs ronds humains, je les ai tous faits. C'est certain maintenant. Bon, c'est un peu dommage, mais c'est certain. On pourra faire des batteries aussi là-bas. Faut que je pense à aller les faire. Hop, fais de la recherche. Voyons voir ce qui nous en sort. Du charbon supplémentaire, c'est dommage. Ok, j'ai un petit peu de lithium. Ça, c'est du titane. Là, il y a un petit peu plus de lithium. Panneau solaire, stockage, éolienne, batterie. Parfait. Hop, non, c'est pas ça que je veux faire, voilà, c'est ça. Calme-toi. Voilà, merci. Et voilà, on a une grosse batterie qui va se créer, normalement. Et qui va se charger, qui permettra d'avoir de l'énergie, même la nuit. Hop, voilà. Ça marche pas bien. C'est quand même la fête. Ok. Donc là, on est bon, mais on a toujours pas plus de nouveautés en termes d'objets. Hein. Donc c'est ça le véritable problème à l'heure actuelle que nous avons. Pour faire du stockage, il faut deux de composites.
Fais-moi un stockage, je vais en avoir besoin. Je reprends un de composite. Normalement, j'ai repris un de composite, mais je le vois. Ah oui, c'est parce qu'il s'est mis directement en place. Ok. Voilà. Et donc, on a un peu plus d'espace de stockage ici. Ça, ça va être pratique. Ok, donc on a une batterie. Qui permettra de faire de l'énergie, d'utiliser de l'énergie la nuit. Donc ça, ça va être très très cool. Il nous faut cependant plus d'outils de recherche. Et on va évider un petit peu tout ce qui est... truc comme ça, voilà. Crac. L'objectif étant de faire un maximum de place si jamais on veut faire quelque chose. Ok, de l'aluminium supplémentaire. De l'aluminium, j'en ai un petit peu en grosse quantité. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire avec de l'aluminium ici? Une éolienne, donc j'ai déjà. Batterie, c'est du lithium. Générateur, c'est du cuivre. Donc le problème, c'est qu'il me faut du charbon. Le charbon, j'en ai déjà plein, je sais bien, mais bon. J'ai pas envie d'utiliser. Panneau solaire, stockage. Ok. Donc, on n'a rien actuellement qui soit véritablement intéressant à... Ah, merde. Je l'ai raté. Crac. Ok, voilà, on a tout rangé. Et on est bon. Ok, donc il va nous falloir vraiment énormément plus de... De choses à trouver. Hein. Et si possible, dans un axe un peu moins lointain. Donc je pense qu'il va être temps qu'on rentre dans une caverne, chers amis. Ce qui, je l'admets volontiers, m'embête énormément. J'aurais aimé ne pas le faire si tôt. Il y a de la résine. Là, il y en a aussi. J'aurais aimé que ça n'arrive pas si tôt. Bon, apparemment, il y a quelque chose ici à aller. Merde, j'ai pas rangé aussi la résine. Ah merde. J'ai dû ranger un composite aussi au passage. Bon, c'est dommage. Mais bon, on va faire avec, c'est pas grave. Ok. Hop. Je perds pas d'oxygène. Ah oui, c'est parce que j'ai encore de l'énergie à côté. Ok. Il faut qu'on aille combattre un petit peu, je pense, pour récupérer plus de trucs de recherche. Je sais pas ce que c'est que cet outil, je crois qu'il épure un petit peu le niveau. C'est très bizarre. J'ai oublié de mettre un... Hop. Il y a vachement haut là par contre. Hein. Ok. On y va. Alors je vois des machines qui t'envoient du gaz là-bas. Donc elle m'intéresse pas des masses. Oh putain. Comment je suis censé récupérer ce truc? T'es en train de me dire qu'il faut que je casse ça? Je vais pas vous mentir, je vais pas vous mentir, je me demande ce que je fais en fait. Ça y est, je l'ai eu. Mais ce truc-là, il veut pas venir.
Bizarre. Ah, puis il y a des gaz. Il y a des machines à gaz là-bas. Tu veux bien venir? Non, c'est pas ça que je voulais faire. Merde. Bon, je remonte. Je remonte, je remonte, je remonte. Il cause? Mais c'est qui cause le garçon? Ça, c'est du composite. Non, c'est de l'hydrazine, effectivement, j'avais oublié. Le composite, il est rond. Pense-y, Marcus. Faudrait du composite assez rapidement. Eh, mais il y a des choses là-dedans, normalement. Je l'ai déjà test. Ouais, j'avais même tellement test que je l'avais déjà fait sur celui-là. Ok. On voit si on trouve pas un petit peu de composite dans le coin. Là, il y a un truc accroché, je rêve pas. Ok, bon bah je le prends. Hein. Putain, en fait, ça se trouve, j'étais en dessous là. Et c'est moi qui l'ai déterré, le machin. Non, c'est pas possible. Par contre, je crois que ces trucs-là aussi, on les a fait, hein. Donc, faudra vraiment qu'on en trouve d'autres. Oh là 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 là. On n'est pas rendu. On n'est pas rendu. Allons-y. Le soleil se lève sur la planète France. Oh là 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 là. Ça ne va plus. Ok, je vais bien récupérer l'oxygène, cela dit, hein. Tu me dis quand t'es ok, merci. Je commence à me poser des questions. Le truc, c'est que j'aimerais essayer d'aller super loin pour trouver ce que je recherche, mais... Je crois que pour l'instant, ouais, je l'ai bien dans le fion. J'ai un truc qui part par là-bas, je vais aller voir. Ok. Énergie! Boum 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 boum. Je vais me faire des rallonges. On verra bien. Ce bruit ne me dit rien qui vaille. Ok. Ça faisait longtemps. Hop. Merci. Aïe, ma tête. Au moins, je devrais être à l'abri. Là-dessous. Chantal là-dessous. Je la referai pas, désolé. Ok, là je devrais être à l'abri. Ce qui en soi est une bonne chose, hein. Mais j'ai pas l'impression qu'elle est violente celle-là, en tout cas, hein. C'est déjà fini? Ah bon? C'est déjà fini? Ah bah oui.
Ah d'accord, en fait elle a longé, elle est passée juste à côté mais pas sur moi en fait. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Bon du coup j'ai récupéré un petit peu de... Voilà. Un petit pot de bordel. Par contre, ouais non. Ça me semble pas intéressant. Ouf. Sait-on jamais. Je crois qu'on l'a pas encore fait, ça, chers amis. L'ascension d'une montagne. Je parle d'une vraie montagne, bien sûr. Hein. Ce qui me dérange le plus, en fait, dans cette ascension, c'est plus la descente. Bizarrement. Waouh! Bah putain, si j'avais su que ça valait le coup à ce point-là. On n'est pas encore arrivé tout en haut, vous allez me dire. Eh ben, on y va. Je sais pas si ça vaut le coup en termes de ressources. Mais moi je tente complètement. Voilà. Je vais défigurer la montagne. En fait non, je viens surtout récupérer. Ce truc-là. Oh, je peux le pousser. Ah, quel dommage, j'aurais tellement aimé le pousser. La base est par là. T'es sérieux, tu t'es arrêté là? Allez, roule. Putain, je crois qu'il s'arrête à une certaine distance de moi. C'est quoi ce bordel? Allez, roule. Vite à vie. Allez, vite à vie. Allez! Casse-toi! Et il veut pas. Hein. Je fais tout pour qu'il se barre, mais il veut pas. Hein. Putain, il y a un truc ici. L'oxygène. Cool. Disons que j'en ai pas vraiment besoin. Mais comment ça vaut trop le coup d'aller sur la montagne? Au-delà des montagnes embrumées. On perd le Marcus. Il est complètement timbré. Je vais récupérer l'oxygène. Ça vous dérange pas? Donc j'ai dû pomper dans la batterie en fait qui est à la maison pour... D'accord. Voilà, c'est ça, je pompe dans la batterie qui est à la maison pour... Tellement stylé. Ah non, ça va être de la résine. Bon, de toute façon, il y a un gros trou entre les deux. Soyons honnêtes, hein. Oh non, c'est bête, ça va être de la résine. Juste de la résine. Ok. On rentre sur le truc, on récupère l'énergie. Elle n'a déjà plus dans la batterie. Alors pour une raison ou pour une autre, j'en recharge, donc c'est bon signe. Je vais virer aussi l'organique qui est ici, qui me prend énormément de place finalement. Pour pas grand-chose. Ok, on y retourne. Et maintenant, il est temps de créer un pont. Merde, je suis trop loin.
Le pont. Le pont. Oui, c'est vert de l'autre côté. Ah! Ça s'est joué à rien, chers amis. Soyons fous. Et donc, c'était censé être de la résine. Quel dommage. J'étais tellement content d'avoir trouvé ce truc-là. Et finalement, je suis trahi par le jeu. Ouh, le danger qu'il y a là. Le danger qu'il y a là. Bon, on va aller récupérer de l'oxygène quand même. C'était rigolo, 2 minutes. En tout cas, rien que pour le décor, c'est assez incroyable. Hein. Rien que pour le décor, c'est vraiment même incroyable. Ouais. C'est super joli. C'est super joli. Allez, on descend. En tout cas, on essaye. Sans mourir, si possible. Ce serait peut-être pas mal. Et voyez, regardez. Puisque je redescends avec lui, lui aussi arrive à redescendre tout en bas de la montagne. Hop. Ça, c'est pas la classe. Ok. On est bon, on retourne à la base. Même si encore une fois, comme j'ai dit, je crois que ces trucs-là, on les a déjà fait, refait et re-refait. C'est dommage. Il faut vraiment qu'on trouve d'autres choses. Les rouges, je crois qu'on en a pas trouvé encore. Genre pas du tout. Oula, excusez-moi. Je viens de pourrer dans le micro, comme d'hab. Alors. Ok. On essaie de réfléchir par où je devrais partir. Allez, ouvre-moi ça, dis-moi quelque chose d'intéressant dedans. S'il te plaît. Ça ne sera que du cuivre cette fois-ci. Ok, bon bah tant pis. Quand on n'a pas de chance, on n'a pas de chance. On va repartir par là, on est où dans l'épisode? 28 minutes. Ah! Non, on va sauvegarder alors. Et on va se laisser là, je pense. Bon, bon, bon. Eh bien, écoute, on n'aura pas des masses avancées. On aura eu juste droit à une montée, j'allais dire. Une escalade un petit peu plus vertigineuse que prévu, avec un peu plus de risques que prévu aussi. Quoi qu'il en soit, les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yop!